nous avez tous amené un objet aujourd'hui, et Christian Estrosi, c'est le dernier livre. Puisque vous m'avez demandé d'apporter un objet, je me suis dit que ce qui rassemblait 25 siècles d'histoire permettait de rassembler beaucoup, 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 beaucoup d'objets, matériels ou immatériels, de notre ville. Moi, j'ai amené le maillot de la sélection, qui est la sélection niçoise, qui est un souvenir, c'est plus un état d'esprit. En 2014, en fait, il y avait une Coupe du Monde qui se créait avec des États non alignés indépendants, Laponie, Groenland, Kurdistan. Et comme à chaque fois avec le maire, je l'appelle, je lui dis « est-ce qu'on participe ?» Il m'a dit « je te suis ». Et en fait, en un mois, on a créé un logo, une sélection, l'entraîneur de l'OGC Nice. On est parti en voiture en Laponie. Ça a été un périple de folie en un mois. On a créé toute pièce, qui est aujourd'hui un maillot qui est porté par les Hugo Lloris, etc. Et on a été champion du monde. Alors, moi, j'ai une poire à poudre. Poire à poudre qui, en fait, appartenait à mon grand-oncle. Alors, il y a une partie dramatique parce qu'elle a été trouvée sur son corps. Il est mort à la chasse près de Molière. Et pourquoi j'ai amené ça ? Parce que c'est mon père qui me l'a donné. Mais c'est surtout que ça symbolise un peu... Bien sûr, il y a un côté émotionnel, personnel, mais c'est l'histoire et les racines, la culture, d'où on vient. Et moi, je suis persuadé que pouvoir se projeter, pouvoir parler d'avenir, si on a des racines fortes, c'est beaucoup plus facile. Ah, moi, je suis venu avec un tramway. J'ai eu la chance de faire le nouveau tramway de Nice, voilà, dont je suis très, très fier, et qui est censé être un des plus beaux tramways et un des plus performants au monde. Voilà. Et Philippe, alors, tu es venu avec un joli t-shirt. Voilà, moi je suis venu avec le maillot jaune du Tour de France, parce qu'Enedis est partenaire officiel du Tour de France. Et mais surtout, et Christian Estrosi le sait bien, le Tour de France partira de Nice en 2020. Et comme le dit Christian Prudhomme, son directeur général, Nice, c'est le service public du bonheur, puisqu'il n'y a le long des routes que des gens heureux. Et je pense que ça mérite bien ça pour Nice. Julia, tu nous reçois aujourd'hui et t'es venue avec... Je reste dans la couleur. Un produit niçois. Ouais, c'est un citron qui a été cueilli sur le citronnier de ma maman. Donc voilà, j'ai ma famille à Nice qui me manque beaucoup. Et voilà, de temps en temps, je reçois des petits cadeaux comme ça. Et, que tu nous cuisines. Plaisir. Exactement. Je crois qu'on a tous compris ce qu'on allait faire ensemble aujourd'hui. On est sur la salade niçoise. Ici, je vous ai préparé une petite gelée de tomates. On va la faire un peu revisiter. Et devant vous, on a chacun tous les ingrédients pour faire une bonne salade niçoise. Les tomates, le céleri, les cébettes, les artichauts, le thon, les anchois, les œufs, l'ail qui est transformé en petites fleurs, les févettes, les olives, il y en a un peu partout, donc bon courage. Julia, pourquoi tu l'as appelé le Baïta, le restaurant ? Alors, on voulait absolument un nom niçois, moi et mes deux associés, et ça permet un peu de faire le lien de notre relation tous les trois. On est très proches, ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble sur Paris. Ce sont deux Martiniquais, je suis niçoise, donc on a des cultures un peu différentes que les gens parisiens, on va dire. Et voilà, on s'aime beaucoup, on se déteste aussi beaucoup, mais voilà, le bisou, ça nous symbolise et c'est tombé sous le sens. Ito, qu'est-ce que tu fais ? Une soupe de tomates c'est ça. C'est ça. En fait, tu revisites, mais aussi bien, elle va être super belle. C'est un artiste, hein, Ito. Hein. Je ne cherche pas design. De la faire belle, j'essaie de la faire bonne, surtout. C'est quoi qui t'a rendu fière là, d'avoir participé au design du tramway ? De quoi tu t'es inspiré ? Je me suis inspiré de Nice. De la ville de Nice, c'est une des plus belles villes du monde déjà. Non, mais une des plus belles, la plus belle. Ah, ouais, mais j'osais pas le dire en fait, mais je le pense. Et puis c'était l'ocre, parce que cette ville, il y a cette ocre qui est partout, cette ocre rouge, cette ocre jaune. D'abord, c'est Oreito qui a été retenu par le jury pour le design. Mm-hmm. Et ensuite, pour les couleurs, nous avions soumis trois couleurs au choix aux Niçois. Il y avait le gris, il y avait du bleu. Et il y avait cette ocre rouge qui, effectivement, peut s'assimiler aux façades, aux couleurs phares de la ville de Nice. Et très majoritairement, les Niçois ont choisi leur tramway à ces couleurs. Le tram, c'est un super projet d'infrastructure pour la ville de Nice. J'allais dire, même dire un des projets prioritaires qui, s'il n'avait pas été réalisé avec toute l'exigence voulue, et donc l'implication d'Enedis, aurait probablement eu des répercussions sur l'ensemble de la population. Or, aujourd'hui, j'ai la faiblesse de penser, je pense que Christian Estrosi le confirmera, c'est un projet qui est unanimement reconnu et salué à l'échelle de la ville de Nice comme étant un superbe projet. Donc, on est très fiers, nous, d'avoir pu contribuer à ce que les délais, les exigences de qualité, les prouesses même techniques qui ont eu lieu, on est très fiers d'y avoir contribué. Donc, voilà, une superbe réalisation à l'échelle, d'ailleurs, je crois, de ce que la ville de Nice est capable d'engager. Julia, c'est ton mets préféré, la salade niçoise ? J'adore. On n'en trouve pas souvent des bonnes.
Parce que ceux qui pensent qu'il y a du riz, des pommes de terre, des haricots verts... J'ai repris la gestion directe avec la ville de Nice, des cantines scolaires, il y a maintenant 10 ans. Un jour, il y a un gamin qui m'a tiré par la manche en traversant une école, qui m'a dit « Monsieur le maire, pourquoi c'est pas bon ce que tu me donnes à manger à midi ?» Ça devait être mon frère, ça. Et aller faire comprendre à un gamin que le maire n'y est pour rien dans ce qu'il y a dans l'assiette. Alors ce jour-là, je me suis dit, le seul moyen de remédier à ça, c'est de devenir moi-même le chef cuistot. Et depuis, on me surnomme le chef ratatouille. Alors Jacques, pourquoi avoir choisi de faire ce naming Stade Alliance? Qu'est-ce que ça apporte au groupe? On a toujours été dans le sport. On avait été, nous, partenaires du Comité National Olympique et Sportif Français. Là, on vient de re-signer avec le Comité International Olympique pour 9 ans. Donc, on est très engagé dans le sport. Et on avait un cahier des charges très précis. Donc, pouvoir mettre notre nom sur un stade. En l'occurrence, on était déjà préoccupé par les questions d'éco-responsabilité. Et donc, un stade qui est... haute qualité environnementale. Exactement. Un des premiers. Un des premiers. Deuxième critère, c'était important aussi pour nous qu'il soit multifonctionnel. On a eu des concerts, donc il y a le sport, mais il y a aussi la détente. Pour nous, en tant qu'assureur, le stade, c'est surtout un lieu où les gens doivent se sentir bien et avoir des émotions ensemble. Ce que j'aime à dire quand je parle de Nice et en lien avec notre activité, c'est la Smart City, quatrième Smart City au monde tout de même, et qui pour nous est une véritable vitrine de ce que les réseaux électriques sont en train de devenir. Et on les expérimente comme il se doit sur un vrai terrain, qui n'est pas un terrain d'exploitation, qui est un vrai terrain urbain, nouveau, que la ville de Nice a développé autour de Nice Méridien. Et donc là, on y est, concentre à peu près tout ce qui peut se faire, stockage d'énergie, énergie photovoltaïque, intégration dans les réseaux, etc. Donc Nice, ce n'est pas un hasard s'il est aujourd'hui la quatrième smart city du monde, parce que c'est le lieu dans lequel on est capable aujourd'hui de développer des réseaux intelligents, des smart grids, comme on dit. Parce qu'il y a 10 ans, on a décidé de devenir d'une destination simplement touristique et de service à une grande métropole industrielle. La ville s'est transformée, je crois que l'accélérateur a été un des premiers leviers importants, que je tiens à le signaler, qu'un groupe international mette un accélérateur dans le stade alors qu'il aurait pu choisir ailleurs, ça a été détonateur. D'ailleurs, nous, on faisait partie de cette promo qui nous a permis d'exister au niveau national. Pour bâtir des choses, il faut des histoires de personnes. On a la culture, on a les racines, on a envie de se projeter, mais aussi, Cédric le disait, il faut vouloir faire un collectif, mais il faut aussi avoir confiance en les uns les autres. Et la confiance, ça se bâtit parce qu'il y a des relations entre les personnes et entre les hommes. Bien Alors. Sûr. Je serais curieux, je suis en train de mener une petite enquête en ce moment pour savoir quel est le plat qui est le plus imprimé sur tous les menus du monde. Ah. Qui porte le nom d'une ville. C'est la salade niçoise. C'est la salade niçoise. Bah oui, là, je vois. Vous pouvez aller en Australie. En Amérique du Sud, aux États-Unis, en Asie, etc., vous trouverez toujours une salade niçoise. Alors, je ne vous garantis pas que ce soit celle que nous avons réalisée aujourd'hui. Loin s'en faut, mais en tout cas, c'est un produit d'appel important. Alors, Julia. Julia. Il faut le verdict, pas là. Pas de favoritisme, Julia. Il faut nous noter, hein, sans favoritisme. Sans favoritisme. Mais attention, parce que... Mais on s'est bien battu. Monsieur le maire s'est très bien battu. Non. Non. Ici, c'est famille nombreuse. Voilà, la gourmandise, là, on est sur le partage. Comme on disait chez nous, quand il y en a pour 8, il y en a pour 15. Tu vois, bon, on ne sait jamais. 2-3 collègues qui arrivent, tout ça. Ah, t'as rajouté des petits radis, toi. Aucun. J'ai voulu quand même. Ah, mais c'est un designer. Là, on est sur un petit panier de concombres. Moi, j'ai cuit des radis, c'est tout. Elle est trop belle. C'est un no comment, quoi. Je ne m'en pas en direct. Non, mais elle est magnifique. Vous votez. Si c'est pour la mienne, vous tapez numéro 2.